Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Lightroom vers Darktable où on va regarder un peu des développements qui m'obligent à aller actuellement vers Photoshop et on va voir si on peut les faire directement à l'intérieur de Darktable. Donc là, c'est une photo infrarouge et l'infrarouge me demande de faire plusieurs manips. Dans Lightroom, j'arrive pas à corriger la balance des blancs d'un seul coup au niveau du rouge. Donc ensuite, je suis obligé de faire un PSD et recorriger la balance des blancs sur ce PSD. Et puis ensuite, à la fin, il faut mélanger les canaux rouge et bleu pour avoir un résultat qui est plus sympathique. Et ben, on va voir si on peut le faire là. Alors, je me suis amusé puisque je commence à comprendre un peu plus l'outil. On peut ici, par exemple, faire des pré-réglages des modules. Donc là, je me suis fait un pré-réglage infrarouge qui me met dans la partie favoris les paramètres de développement qui vont être utiles, à mon avis, pour gérer cette photo. Je ne l'ai pas encore traité, donc on va voir si on peut faire. Donc la première chose à faire, c'est la balance des blancs. Et la balance des blancs, elle est un peu différente de Lightroom, c'est qu'on peut, et c'est là qui est assez intéressant pour cet exemple, peut travailler couleur par couleur, et là notamment, on peut réduire le rouge. Et là, c'est vraiment très sympathique. C'est-à-dire qu'on va amener, il faut que, je dirais, ici, la plante soit blanche. Et donc on fait ça assez rapidement et on ne touche pas trop au teint, température, ils se débrouillent tout seuls après. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a fait ça, il faut mixer les canaux, c'est-à-dire qu'il faut remplacer le rouge par le bleu et le bleu par le rouge. Ça c'est une opération que je fais sous Photoshop. Donc là je suis sur le canal bleu, ben ça je vais le mettre à zéro. Alors il y a des petites choses qui sont un peu embêtante encore, c'est qu'on double-clique, ça revient pas à zéro tout seul, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que ça serait mieux si ça pouvait le faire tout seul. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, je prends le canal rouge, donc je dis, je n'ai plus de rouge là, et ça, le bleu, je le mets à 1. Voilà. Donc là, l'image, elle est devenue, je dirais, le ciel est devenu un peu plus bleu. Alors, on peut revenir ensuite sur la balance des blancs hein, et puis dire bon ben on va corriger ça un peu plus ou un peu moins, mais là ça me semblait pas mal. Ensuite, j'ai pris exposition, je veux monter un peu l'exposition, hein, tant qu'à faire pour que ça soit un peu plus exposé cette photo, voilà quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je veux rajouter du contraste local, d'accord? Donc ça, c'est un équivalent clarté. Voilà, ça commence à être bien sympa. On pourrait encore mettre du vignettage. Et ensuite, j'ai ramené colorisé, juste pour me marrer, pour voir par exemple si je pouvais coloriser le bas là dans une autre couleur. Donc là, c'est pareil, on va choisir une couleur, hein, il faut choisir la couleur qu'on veut. Donc par exemple, une eau un peu plus verte, ouais, ça pourrait être pas mal, une eau un peu plus verte, pas autant lumineux que ça, voilà, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je vais prendre ici un masque de fusion en masque dessiné, d'accord? Et je vais prendre un pinceau, alors je vais le faire très rapidement, hein, parce que on a d'autres choses à voir. Voilà, et je vais passer ici, comme ça. Voilà. Ok, et là, vous voyez que j'ai colorisé, entre guillemets, la partie en bas. Ensuite, je peux décider de mélanger plus ou moins les sources. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, c'est fait à la grosse, hein, je ne maîtrise pas encore le truc, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on peut faire. Donc je vais arrêter là le coloriser parce qu'il n'est pas beau. Mais donc j'ai traité une photo infrarouge directement à l'intérieur de Darktable sans être obligé de faire mes deux passages par Photoshop lorsque j'utilise Lightroom. Donc ça c'est pas mal. On va regarder un autre exemple. Donc là on va aller regarder quelque chose plus en portrait. On va déjà recadrer et pivoter. D'accord? Donc clic droit et tracer une ligne pour indiquer l'horizontale. Donc clic droit. Et tracer une ligne pour indiquer l'horizontale. Voilà, c'est ce que je vais faire. Très bien. Et puis ensuite, je vais ici demander un aspect 3,5 pour recadrer. Et je vais ici, voilà, recadrer quelque chose comme ça. Voilà, moi ça me va pas mal comme ça. Très bien. Allez, on s'arrête là.
Une fois que j'ai fait mon recadrage, je vais regarder de temps en temps dans Photoshop, je vais faire du liquify, notamment pour corriger ce genre de choses-là. Ou sur le dos, là j'aimerais quelque chose qui est peut-être un peu plus plat. Donc ben là, généralement il faut que j'aille sur Photoshop. Là il y a un truc qui s'appelle liquéfier, donc je vais voir ça. Là je vais prendre un point. Je vais placer un point ici et là je vais réduire la taille de mon point, je vais le réorienter, quelque chose comme ça, et je vais approcher cette forme du genou, là par exemple, comme ça. Et là vous voyez que ma petite bosse est en train de disparaître, donc il fait bien du liquify comme le ferait Photoshop, là c'est peut-être un peu trop. Et là, on peut réduire l'effet. Si je réduis la taille ici du truc, ça va être encore plus localisé. Donc, je peux comme ça le localiser totalement sur la bosse ici et pas sur le reste. D'accord? Et ensuite, pour mon dos, comme je disais, mon dos, si je veux corriger un peu le dos, voyons voir qui est là. Je pourrais imaginer, bah, je vais essayer avec une droite. Donc, je vais cliquer. Alors, et recliquer, voilà, quelque chose comme ça. Alors là, il le fait dans le mauvais sens, évidemment. Clic droit pour arrêter. Et là, je vais simplement lui dire, je veux que ça soit par là. Et je veux que ça soit par là, de la même manière. D'accord? Alors là, il faut que je le mette comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai aplati mon dos. On le voit si je fais sans et avec, hein. On voit que j'ai aplati là mon dos, donc j'ai fait du liquify également. Alors ensuite, il faut évidemment régler tout ça correctement hein, pour que ça ne se voit pas, mais il y a la fonction liquify et qui a l'air de marcher plutôt pas mal. Hein, et avec 100, voilà. Alors là, c'est ça se voit ici, c'est mal fait. Donc là, il faudra que je fasse un peu plus attention. Et par contre, au niveau du genou, là, vous voyez bien la petite bosse là qui a été atténuée. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles je vais dans Photoshop et là, j'ai pas besoin. Je vais continuer, je vais essayer de trouver un troisième exemple. Donc j'ai cherché des choses comme la correction des défauts. Alors en fait, c'est correction de tâches, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est assez, voilà, correction de tâches, mais c'est assez basique. Alors encore qu'on peut faire ajouter un chemin, donc on peut, on va dire que c'est un peu un équivalent à ce qu'il y a dans Lightroom. Par contre, on ne fera pas de tampon de duplication, c'est-à-dire que je ne vais pas aller remplacer Photoshop par ce truc-là. Donc là, vous voyez, j'ai fait un truc simple où si je veux faire un chemin, on va dire que je fais un chemin comme ça. Comme ça, comme ça. Ah oui, c'est un chemin comme ça. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, je peux prendre une autre zone à côté pour remplacer ce qu'il y avait à l'intérieur si je veux. D'accord. Donc, c'est pas la même chose qu'un tampon de duplication. Autant ils ont fait le liquify, autant j'ai pas trouvé le tampon de duplication. J'ai cherché aussi à faire des choses comme du split frequency. Il n'y a pas. Enfin, j'ai pas trouvé. Parce que. Ça fait qu'un jour que je l'ai, donc on peut dire je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai regardé quand même sur Internet. La plupart du temps, ça part vers des tutos avec GIMP, qui est un autre logiciel libre, un équivalent entre guillemets à Photoshop. Donc là, je vais m'arrêter un peu pour ma comparaison Photoshop. J'aurais tendance à dire qu'il me faudra de toute façon autre chose à côté. Ne serait-ce que pour faire des petites tâches toutes simples, si je veux faire des affiches promotionnelles avec du texte, une carte de vœux ou ce genre de choses, bah c'est pas Darktable, il est là pour travailler sur des photos, il n'est pas là pour faire de l'infographie. Mais il y a quand même déjà pas mal de choses, donc je ne vois pas pourquoi, par rapport à ce que j'ai vu, les développements que je fais sur Lightroom, je ne pourrais pas les faire sur Darktable. Et je peux même dire que dans certains cas, j'irai un peu plus loin sur Darktable plutôt que Lightroom, puisqu'il intègre des fonctions comme le Liquify ou le mélange des canaux que je vous ai montré pour l'infrarouge. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. On regardera encore quelques autres fonctions dans l'épisode d'après, puis ensuite, on s'attaquera à la migration en elle-même.
Parce que vous avez vu que là, il y a énormément de choses, donc ne rêvez pas, vous n'allez pas récupérer vos développements de Lightroom. Ça, Darktable vous les prendra pas. C'est pas les mêmes logiciels. Donc il faudra bien étudier ça lors de la migration. Voilà, merci beaucoup, au revoir.